Salut les filles, j'espère que vous allez bien et j'ai reçu des petits colis AliExpress et je suis très excitée de vous montrer ce que j'ai reçu. Je vais commencer. J'ai une petite paire de boucles d'oreilles comme ça. Moi, je trouve que ça me fait penser aux boucles d'oreilles de l'ancien temps. J'aime bien ça. Je sais, ma grand-mère là, portait ça. Là. Froda ou Thérèse portait ça, c'est sûr. Et puis, j'aime ça. Tu sais, ça fait, je sais pas, je trouve que ça fait le bon vieux temps. Ça venait un petit kit comme ça, tout cute, de trois paires de boucles d'oreilles. Fait que t'avais ceux-là, qui sont extraordinaires. Ensuite, je te montre une par une. Là, les petits sacs font beaucoup de bruit, j'avoue. Ben oui. On en profite. Ça fait comme de la ASMR. Et ensuite, regarde, des belles petites créoles roses. Super beau. Tu sais comment ça va bien avec ce petit ensemble-là. Trop cute. Rien de... Mais tu sais, ils font un peu années 60. J'aime bien ça. Puis regarde, des petits cœurs de même. Ils sont trop cute. Les petits cœurs. Check. Ils sont trop mignons. Fait que, je trouve que ça fait vintage. J'aime ça. Puis mon petit cœur est heureux. Fait que, regarde, je vais les mettre de côté parce que sinon, on va gosser trop longtemps là-dessus. Et puis, j'ai acheté aussi ça. C'est super beau. C'est les bijoux que je vais te montrer là sont plus beaux que ces images quand tu les vois sur le site. Là. Mais ce collier-là, je le trouvais tellement beau sur l'image. Ça vient avec les boucles d'oreilles. Et quand je l'ai vu, j'ai fait « Wow! » C'est encore plus beau que dans mes rêves. Donc, ça se présente comme ceci. C'est des belles grosses boucles d'oreilles. Je ne les ai pas essayées encore. Là. Fait que je peux pas vraiment dire le confort du pesant. J'ai aucune idée. Hein? On va checker un peu. C'est le fun de savoir si t'es aperçu. On va enlever le petit piton. C'est le petit piton en arrière. Tout vient avec les attaches. Là. Tout. Et même plus, il y en a là, des fois qui t'en donnent de plusieurs, là, comme si ils ont peur que t'en manques. Et voilà. Pesanteur, ça a l'air pas si... Hey, check comment c'est beau. Oh, c'est tellement bon. On va les essayer, les filles. On va les essayer. On va se gâter. Check ça. Check. Attends une minute. Faut que j'oriente le petit pic, là. Ah oui. Hey, check. Ah non, c'est pas... c'est pas trop lourd, non. Et hey, check comment elles sont belles. Oh. Et ça vient avec le collier. Check comment c'est beau. C'est très joli. Moi, j'aime bien. Une petite camisole très légère, là. Un petit collier comme ça dans ton petit cou avec des petites boucles d'oreilles, t'en prends un petit bord en terrasse ou juste prendre une marche, on s'en fout. Regarde comment c'est beau. J'adore avec la petite perle. C'est comme une fleur de... Je sais pas. Une pensée. Moi, je connais rien des fleurs, mais ça me fait penser à une pensée. Puis les boucles d'oreilles, vraiment... Oh, j'aime ça! Check ça comment c'est beau, c'est chic. Très chic. Et, bon, on va l'enlever... Parce qu'on a d'autres choses aussi à essayer. Mais vraiment, ça, c'est un 10 sur 10. Moi, je capote. Moi, vraiment, là, ça, c'est dans ma palette, check. C'est tellement bien fait. Tu sais, tu pourrais acheter ça facilement, l'ensemble, 20 $, là, tu sais. Et puis, ça, je vais me débarrasser de tout ça. On va serrer ça après. Oh, après ça, un beau collier à la Cléopâtre. Il est tellement beau. Il se présente comme ceci. OK, beau. Quand je l'ai vu, j'ai capoté. En plein dans mes goûts. C'est sûr qu'il faut aimer, là. Moi, je te montre qu'est-ce que moi j'aime. J'aime mes affaires originales. Tu sais comment c'est beau. Les boucles d'oreilles, premièrement, sont wow. Ça avec, c'est une petite camisole, une petite robe. Quelque chose de délicat, là. Une belle petite journée d'été, là. C'est pas laid du tout. Je te montre quand même les essayer. Oh, check ça. Sont-tu pas jolis? Oh, mon cœur est tout... Oh, j'ai tellement hâte de faire chaud et bon. Check ça. Attends, je vais y aller avec ma bonne main, parce que là, je serais pas capable. Oh. Check. Non, mais check. Oh, check, comme c'est beau. Wow, hey. What a boy. Imagine avec le soleil, là. Ouh! Et, le collier. Check le collier. J'adore vert, c'est...
Tiens, comment c'est beau. Oh, juste dans le paquet de même, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ah, il est extraordinaire, check ça. Imagine au soleil, là, comment ça va briller de mille feux. Oh, ça va être débile. Tu sais, c'est près du cou. Ah, oh, j'adore. Avec les cheveux remontés comme ça, là. Un beau petit bronzage. Oh, ça va être beau. Ça va être super. Fait que ça, c'est les bijoux que j'ai achetés. Je sais pas si j'en attends d'autres. Ah oui, j'en attends d'autres, ben oui. J'attends des belles boucles d'oreilles papillons qui s'en viennent. C'est plein de papillons que je vais avoir. C'est peut-être à peu près 10 boucles d'oreilles, mais différentes couleurs des papillons, j'ai bien hâte. Je me souviens pas si j'en attends d'autres. Faudrait que je regarde sur... Regarde, je te remonte ça, là, c'est tellement beau. Ah, que c'est beau! C'est beau, hein? J'adore. J'adore. Et ensuite, ça c'est pour les bijoux. J'ai remis ma boucle d'oreille, oui. Ça, c'est pour les bijoux. Puis ensuite, je me suis acheté des éponges. Des éponges à maquillage. Parce que j'en avais plus. Puis à chaque fois, j'allais chez Winners. Chez Winners, il y avait juste des paquets d'à peu près de 20 éponges. Je veux pas 20 éponges. La dernière fois, j'avais acheté... Non, c'est pas ces éponges-là que j'avais acheté la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'avais acheté des éponges sur le site d'AliExpress. J'avais pas aimé mes éponges. Mais là, je sais quelle éponge qu'il faut acheter. Parce que, ben, j'ai écouté des vidéos. Et elle que je vais te montrer, elle a l'air crottée, là, mais pas crottée. Là. Elle est flambant neuve, je l'ai jamais utilisée. C'est juste c'est la couleur. J'ai choisi la couleur crottée, couleur sale. Comme ça, c'est sale, ça paraît pas. As-tu vu? Elle a l'air vraiment sale, tu sais. Elle n'a pas l'air propre, je trouve. Mais c'était la couleur. C'était comme ça. Mais ça s'appelait pas de même. Je l'ai mouillée toute. Elle est super molle. Fait que... Ça va être super. Ça va être super. Parce que moi, j'aime ça parce que... Je me mets pas de fond de teint l'été, mais j'aime ça mettre des... des blushs liquides. J'aime ça les appliquer avec ça. Je trouve que ça fait un beau petit fondu puis ça fait cute. Fait que j'ai acheté elle, que j'ai mouillée puis t'as montré. Là, elle a un petit peu séché. Fait qu'elle est venue un petit peu plus petite parce qu'elle vient plus grosse. Là. Un petit peu plus grosse que ça. Puis là, elle a commencé à sécher. Et j'en ai acheté trois dans le fond. Fait que j'en ai acheté une rouge. C'est cette marque-là. Là. Celle-là. C'est quelle marque? Hey, c'est Beauty Blender. Mais oui. Fait que voilà, Beauty Blender, c'est tout. Et puis, j'en ai pris une verte. Fait que là, je vais pas les ouvrir parce que là, j'en ai pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai pour 9 mois. Fait que je ferais que c'est 3 mois. Fait que, puis moi, je n'utilise pas en fou. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui met du fond de teint tous les jours. Fait que moi, elle me dure au moins, je suis capable de faire 5 mois, puis je la lave à chaque fois que je l'utilise. Je lave mes pinceaux, je lave mon éponge. Toujours, ça, je n'ai pas de boutons non plus, hein. Très important, hein, parce que là-dedans, c'est plein de bobites. Et puis, une façon de les laver, là, qui, si tu les laves pas trop souvent, tu les mets dans la laveuse. Ça va super bien. Puis, à un moment donné, j'avais assez aussi dans le lave-vaisselle. Ça allait super bien. Donc, voilà, ben, c'est mes petits achats, les amis. Fait que, hein, pendant que ça rentre, je trouvais que j'en avais assez juste à faire une vidéo non plus qu'elle ne dure pas 20 ans. Et puis, voilà, maintenant, je vais en profiter pour te montrer un petit peu les bijoux portés que j'achète pour que tu les vois passer un peu dans les vidéos. J'en ajoute beaucoup, des fois, ben, je trouve ça important de les montrer dans le coup porté. Aujourd'hui, ben, ça, c'est nouveau, comme je t'ai dit, ceux-là. Ils sont trop belles. Ensuite, ben, un petit collier, toujours de tout AliExpress. Hein. Mon petit collier, mon petit ben, comme d'hab. Et un petit collier comme ça, je t'ai déjà montré, mais là, c'est ça que j'ai. Une petite pierre que j'avais achetée sur le site AliExpress, que je la trouve vraiment super belle. Donc, voilà, vous savez... Donc, je vous laisse. Enjoy la vie, puis on se revoit bientôt.